No. Parce que, hey, excuse-moi, ce c'est souvenir 2002, c'est quoi ça? Je sais! La, la... Tu vas-tu avoir Big Shiny Tunes 4 en même <rires> temps? <laughs> c'est comme ça que j'ai découvert Radiohead, avec Big Shiny Tunes. Il y avait la tune euh, Paranoid, Android. J'ai exceptionnel, j'avais jamais entendu ça de ma vie de vie ouais. comme ça. Tu n'as jamais réentendu ça après, by oui, C'est ça la force de Radiohead, c'est qu'à chaque album, entends ça, tu entends une affaire pour la première fois et la dernière fois en même temps. Très cool. Et euh, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu dans ma vie quand ils sont venus à Oshiaga en 2017-18. Cool! Ouais. Je J'étais encore à remercier Oshiaga euh, de m'avoir invité. Tout oui. comme cette année d'ailleurs, ils m'ont invité. Que si l'année prochaine, ils veulent me réinviter, je serais tout à fait d'accord. J'en profite, hein, apparemment, les billets. Fais du moche. Va. Fais du moche, voilà. Fais-tu fais -tu du moche des fois? Ça, ça Thomas, évidemment, que oui, mais dans le sens où je fais. Ah, tu fais du moche quand? Ben, Comme n'importe qui, là, dans un chalet autour d'un feu, quand c'est plus ou moins le bon moment. Tu là. Vois, ça, c'est la phrase la plus. J'étais à Notre-Dame. Uh -huh. Pas tout le monde a accès à un chalet. Non, mais tout le monde est allé dans le bois autour d'un feu de canne une fois dans la vie. Pas tout le monde. Euh, Pas oui, tout... la majorité des bon, Québécois. Ben, c'est oui, ça. Ouais. La, ben, OK. Tout comme la vaste majorité des Québécois, le peu de moments où j'ai utilisé cette substance que je, 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 je maintiens qui est illicite. Euh, non, non c'est illicite, là. Oh oui, tu te rappelles le, le, le magasin de moches oui, qu il qui a pendant fermé pendant trois heures et qui se faisait fermer? Mais Yo, salutations à ce magasin-là, jamais abandonné. J'ai pas Non, non je suis pas, man. J'ai pas haï. Euh... Oui, ça, la saga, temps. là, chez je... moi aussi, c'était pas loin de chez nous. Oui. Je le voyais, t'es comme « Ouh, ça tient par la volonté, ça ». Puis euh... Non, non, c'était... Truc de tatouage, truc de tatouage, pizzeria cheap, dentiste, ancien tatouage, truc de moche ouais. exceptionnel. Qui est lui-même un ancien truc de tatouage. Oui. Mais à côté d'une crèmerie, c'était formidable. Oui, ça n'a pas marché? Ben, je pense parce que c'est illégal au Québec, la moche. C'est dommage. y la... a un problème de moche? Je per sais. Ben, les personne. gens qui tripent champignons, ils tripent champignons comme faux dans je, vie. Je ne suis pas d'accord. Je connais personne qui a un problème de moche. Je... La cause je ne connais personne Le, tu, qui… As -tu déjà parlé des mycologues dans vie? Je Comment vois. ils sont… Intense. Ils sont intenses ou sont non, passionnés sont in... Ben, ils ne veulent pas te révéler leur spot ou aller trouver les, les bons champignons. Hein. Ça, j'aime ça. Oui, parce que sinon, tu ne serais plus leur ami. Tu sais, es ami avec eux autres juste parce qu'ils connaissent les spots à champignons. Ouais, ils puis, que... puis comme, ils ont leur réserve, ils ont leur spot. Ils ont... Non, 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 c'est comme un monde, la mycologie. En fait, c'est un monde qui a l'air tellement intéressant mais que… Mais, mais, mais re re revenons à la question initiale. Tu connais quelqu'un qui a un problème de moche Non. Mais je, connais, je connais personne. Pourquoi c'est illégal? Je connais personne qui dit « hey, oh, moi, je ne suis pas rentré à la job, il faut vraiment que je prenne des champignons et que je touche à des... » Non, lectures. mais il n'y a, a, a pas le micro qui est comme à la mode ces temps-ci. Ça me fait rire, le micro -dosing. Ça veut juste dire que tu es gelé tout le temps. Oui, mais... C'est mais... génial, le micro-dosing. Je n'ai pas de problème de drogue, moi. Il faut juste que je sois gelé un peu tout le temps. Mais c'est pas un problème. Ben, je ne sais pas, moi, il moi, y en a... Qui... Moi, tu vois, des fois, l'anxiété... Euh... Des, fois, des fois, je suis tenté là, par des trucs comme ça, là. Juste essayer voir une journée, mais je me connais. C'est que si ça marche, ça sera pas juste une journée. Est-ce qu'on s'engage Non. Qu'est-ce non, non, non. <laughs> <laughs> okay, okay, une proposition non. Ensuite. Je, je sais où ça, ça. Okay. s'en va. Depuis cinq minutes, on parle d'affaires illégales, <laughs> pas vraiment morales. Est-ce qu'on Non. De vrai. Que... De prince. <laughs> De prince. Mané, tu vas te finir tournée là. De quoi? Un jour, tu vas finir de tourner. Là, Je sais pas. De... Le, le projet, c'est que non. Mais, que... <laughs> oui, mais pas d'envie. Mais venez de faire une petite accalmie. Je veux pas faire du. Non, parce que c'est ça. <laughs> si tu me dis, oh, man, on va avoir du moche, non, ça sera mais... pas bon. Et si... oh, OK, OK. Les gens... On va pas se filmer pendant oui. qu'on fait ça. Les gens dans les commentaires, que ce soit pas Non, arrêtez ça, les gens dans les commentaires, ça n'a pas rapport. Les gens dans les commentaires... Voulez-vous nous voir sur le... Évidemment qu'il va répondre oui! Mais je veux pas donner au monde ce qu'il veut! Mais non! Mais non, c'est comme l'affaire de Scope, on va mettre des nouvelles que personne n'aurait su. Non, personne ne voulait ça, il y a personne qui voulait ça. Mais personne veut nous voir sur le moche! Plein de monde! Personne? Plein de monde! Mais tant qu'à ça, tout le monde voulait voir je sais pas qui en train de faire je sais pas quoi dans une place, tu sais, comme pas rapport. J'ai pas suivi ta phrase. Ben, c'est C'était ça que c'est ce pendant des années. J'abuse. Non, j'abuse. Ben, c'est si de voir de du monde vrai. que moi-même, j'étais comme qui? En train de faire quoi? <laughs> en train. À ou Comme tous des mots que je connaissais pas. Et à la Ah, oh, ça l'a creusé quoi? Une ouais. dépression! Tu sais, genre. Gabi Desbois. En train de boire, genre, des shooters. Dans libres. un club, jamais Ouais, au Flyman. Ouais. Je suis comme. De, de quoi? C'est quoi ça, là? C'est. On est où? On est tout en Blade Runner? C'est quoi la patente? Là? Je on comprends. Est, je n'ai euh, jamais été sur QC Scoop en disant ça, c'est le futur. Voici Blade ah, moi, Runner. Moi, j'ai pensé que c'était le futur de l'information. J'étais comme on s'en va vers ça. Mais tout euh, mais ça pour dire que je pense qu'il y aura toujours une demande pour voir comme une déchéance en direct. C'est pas une déchéance. Par oui, c'est une, une déchéance. Mais je ne vais pas me filmer <laughs> en train d'être. <laughs> Quand fait fait des de moi, c'est Ça va être la paix. <laughs> non, parce que je vais te gérer. Rare, te gérer. Rare, tu n'as jamais à me gérer de ta vie. Mais exactement. Ça me tente pas de commencer. J'ai pas l'expertise. Tu quoi, Milik, tu vas me gérer? Est-ce que, est que tu t'engages, Milik, si je fais du moche dans le cadre d'un podcast, de me gérer? Pourquoi? As-tu vu de quoi <laughs> qui a déjà été bon, fait par du monde sous le moche? De la musique. Non, non. Oui, mais Des je. Des Oui. Euh, rien de ce qu'on fait en ce moment. c'est pas le party ce qu'on fait. Non, c'est pas le party. Un party. Non, moi c'est une épreuve. Oh, c'est pas une épreuve. <laughs> ben, un Excuse-moi, <laughs> le dernier. Je suis encore traumatisé de la Il nous aurait écrit. Des trucs je le veux pas! Fait... Je le veux pas. Ça, il nous a trouvé très bien. Mais a... je le veux plus! C est c est que ce que je... Non, que je le veux pas! Québec! 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 Je vais parler de Québec. Oui. Est-ce que comment tu te sens par rapport à la ville de Québec? Moi, j'ai toujours aimé Québec. Mais encore. Ben non, mais, mais en fait, je ne connais pas Québec comme la vie communautaire à Québec. Je n'ai jamais mmh. habité à Québec. Québec, quand, 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 euh, quand j'ai gradué de l'École nationale de l'humour, euh, Québec, tu sais, je pense, c'est… Bon, tu évidemment le marché montréalais qui est central, on va dire, à l'écosystème et culturel-socio-économique du Québec. Mais Québec, c'est un peu le deuxième, là, ou en tout cas, je ne sais pas… C'est la capitale. Mais c'est la capitale. Mais ce que je veux dire, c'est que… Ils vont une... pas triper si on dit qu'ils sont deuxièmes. Non, c'est pour ça que je veux dire ça. C'est que j'hésite à le dire, mais il y a un fait qu'il y, y a une population plus grande dans la communauté montréalaise, la communauté urbaine montréalaise que à bon, Québec. On est plus, ouais, on est plus, la démographie on est, plus. est là. Mais Québec, en fait, c'était comme c'était vraiment important pour moi de, 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 de me sentir à l'aise à Québec sur scène. Ça a pris euh, quelques années, quelques essais, quelques erreurs, beaucoup d'erreurs, avant d'arriver à un point où, ah, OK, je commence à, être, à avoir du fun. Parce que tu te sentais un peu. Euh, comme quand tu vas. Euh, <laughs> je, je, genre, non, mais je vais le dire comme ça. Comme quand tu vas comme dans ta famille à Noël. Tu sais, c'est-à-dire, c'est du monde que tu aimes, mais, mais tu pas chez vous. Tu sais, t es, t es comme dans. C'est toujours reprendre la relation un peu là où tu l'as laissé parce que ma vie est à Montréal. Fait, fait qu'il y avait comme cet aspect-là un peu de je suis vraiment content d'être là, j'aime vraiment ça, mais je viens pas assez souvent pour me sentir comme chez moi. De toute façon, nul n'est prophète en son pays, mais, mais ce que je veux dire, c'est ça. Puis Québec, c'est une ville où, un, il euh, y, 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 y a une chose que Montréal a pas à Québec, c'est euh, beaucoup de choses, mais une, en tout cas, c'est une conscience de l'environnement. Comme la ville est bien entretenue, c'est beau, c'est propre, mm -hmm. les gens, ça paraît qu'ils font attention à ça, la ça ville. – Ils sont moins. – Ça changerait change au fait que tu as, as des villes des villages qui sont ça, mal oh, entretenus. Oh, – C'est puis au Japon, fait ils sont, sont pleins, puis si bien en tout cas. ça. C'est ouais. ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que… Il a laissé à Montréal, tu a pas laissé aller à Québec, vrai. Oui, puis après ça, je ne sais pas c'est quoi la vie quotidienne à Québec, les, les, la circulation, les travaux publics, tout ça, je ne peux pas en parler. Moi, il que... va, puis ce n'est pas, pas terrible. Non, pour vrai, non. Même le trafic épouvantable, il n'est pas Aussi si… Pas si épouvantable que ça quand tu fais de Montréal. Non, c'est ça. Fait que, comme il a rien plus hilarant quand… Moi, souvent, je vais, je vais à des choix à Québec, puis je fais « Ah! Oh! » T'as pris le trafic? Ah, oh, c'était du trafic, ça. Mm. Vous appelez ça du trafic. Non, mais c'était long. Il me semble que c'était 17 minutes de plus. Nous, 17 minutes de plus, c'est... C'est 100 Iberville. Ouais, c'est ça, <laughs> ça là, 17 minutes ouais. de plus. Mais, mais c'est mais, mais ça que j'aime de Québec, c'est qu'il y, y a un aspect, il y a une fierté, je trouve, de leur ville. Oh Oui. Mais comme pour, pour le meilleur et pour le pire, mais moi, en ce qui me concerne, je, je décide d'avoir le meilleur parce que ça, ça provoque plein de choses, ça provoque des initiatives. Qui protègent toujours la beauté de la ville. Ouais. Toujours, ils vont pas, ils vont pas mettre un REM en plein milieu du vieux Québec. Je ne sais pas le tramway c'est quoi le plan là, Check ça il y a du monde qui vont me dire que ouais, ben, 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 peut-être. Je sais pas où. Oui, c'est du monde au Québec qui vont dire <laughs> oui, ouais, c'est c'est sûr. <laughs> Probablement. C'est une chose qu'on. Mais, mais c'est comme une ville qui. Puis j'aime les, les. Je vais souvent parler après mes spectacles. Puis à, Qu à Québec, j'ai souvent... Je sais pas, il y a comme une atmosphère vraiment nice après les spectacles. Il y a, il y a un esprit. Là, là, je sais que ça va être conservateur quand même à Québec. Là, je suis pas, euh, Je suis pas débile. Mais il y a tout à Québec, c'est génial. En fait, il y a de tout. Mais euh, ce cool, euh, ça va être pour qui à Québec, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Bon, tu sais, on, on charge souvent, on sait bien, Québec vote conservateur. Montréal, on est beaucoup plus coupable de tout le temps voter les mêmes couleurs. qu'à Ben Québec. oui. Euh, ben oui. Ben à la limite, oui, tu peux prêter. Mm -hmm. C'est ouais. quand la dernière fois qu'un libéral a pas été élu à Westmount je, Pour vrai, je ne sais même pas de mémoire d'homme si c'est arrivé. Je pense pas. Pas, t, pas de farce mm -hmm. là. Il être... y, y a Gouin qui change à chaque élection. Oui, il y a comme Pierre Fond, une fois de temps. Vaudreuil aussi, tu libéral, des libéraux, mm -hmm. libéraux, je pense que c'est K, à un moment donné, ça a été. Mais Vaudreuil, globalement, Montréal, tu as raison de dire que surtout l'Ouest, On le sait, C'est assez, c assez euh, uniforme et euh, évident. Mais, mais Québec, c'est ça que j'aime. Puis après ça, ben, mais c'est comme... Non, mais c'est beau, Québec, c'est juste, c'est vraiment beau. Comme même quand tu commences à aller vers le Saguenay, que tu prends le parc, c'est super beau. Tu continues vers Charlebois. Euh, Charlebois, ouais, Charlevoix, c'est okay. super beau. L'île d'Orléans. D'ailleurs, hey, arrêtez là, avec le projet de pont. Je ne viens pas de là, mais s'il vous plaît. Il y a déjà des pylônes qui, trans qui traversent l'île d'Orléans. Tu sais, comme c'est déjà des pylônes. Arrêtez avec la pompe, l'autoroute. C'est on, 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 sûrement... L'île d'Orléans, je trouve, c'est une des... C'est très certainement une des plus belles îles du fleuve, mais, mais par ailleurs, c'est une richesse incroyable, là, cette île-là. Là, tout est là, dans cette île-là. C'est là, là de, dont vient Félix Leclerc, où je me en, ben, en, fait, en fait, Félix est mort, là. Ah! Félix a bon. habité à Vaudreuil, représente, mais... Euh, euh, ouais, il est mort là. C'est là que je choisi que je choisis. Ouais, probablement avant les pilotes. c'est le un, un accident. Mais, mais j'ai un vous... ami qui est né à l'île d'Orléans, un très ça. bon ami. Bravo. Qui habitait, euh, je sais pas comment on dit ça, un Orléanais, là, euh, un gars de l'île d'Orléans. Un insulaire en tout cas. Puis, euh, puis, puis là-bas, je sais qu'il y a une politique genre de, de maison là, c'est super important Non, non, mais ça peut juste être des matériaux nobles. C'est être qu'il y a un droit qui. C'est cool quand tu vis pas là. Chaque personne que je connais qui a acheté une maison qui était censée, il faut, faut préserver. Pis. Quand tu vis là, épouvantable. Oui, mais là, c'est -ce le choix d'habiter là, c'est que ça vient avec. Comprends. Mais je comprends. Quand tu achètes, dire... je comprends. Mais quand tu loues, c'est épouvantable. Puis c'est un peu qui, plat. Qui, y a-tu des locataires pour vrai à l'île d'Orléans? Ouais. Pas l'île d'Orléans, mais mettons dans le vieux Longueuil, il y a ah. Charles, du bordel, qui vit dans une maison ancestrale. qui ouais. Fait ne qu peut rien changer. Ben non, mais c'est sûr. Mais c'est épouvantable. Fait oui, que... mais là. Le... Je veux dire c'est ça le concept des maisons protégées Je, patrimoniales. Je comprends. Mais faut mettons il y, y a deux deux côtés de médaille, c'est le c'est plate que pour que les touristes passent puis qu'ils fassent ça beau, les gens qui vivent là sont juste pognés à avoir de l'humidité puis du mauvais chauffage. Parce que quand on passe devant on fait c'est beau. Oui mais, mais attends le, attends. Premièrement, ça tu sais pourquoi là, que ça existe cette règle là aussi sévère, c'est parce qu'il y a des épais qui ont comme Démolis, ouais. saccagés, des villages et des. Bon, là, t'as pas le choix de... Parce que je sais pas ce qui se passe au Québec, là. Dès qu'il y a de quoi qui est pas. Tu sais, comme nous, on a comme notre barre mentale, là. C'est d'ailleurs pour ça que Québec, je pense, est aussi protégé. On dirait 150 ans et plus. Ah, puis encore. 200 ans et plus, là, on va le protéger. Mais toute la portion, genre 199 ans à 50 ans, ça, là. Ça, c'est le buffet à volonté. On fait ce qu'on veut, on dérange ça, il n'y a pas de protection. Tu as des maisons d'architectes qui sont démantibulées, tu as des, des quartiers vraiment beaux qui sont défaits parce que tu as un gars qui va mettre du PVC parce que c'est bien plus propre, c'est mmh. bien plus pratique. Tu sais, je te donne un exemple. Mes parents, ils ont un chalet de bois, ils veulent le rénover parce qu'il commence à être un peu plus vieux, ouais. puis c'est normal. Le temps, le temps. Le temps, temps on est au Québec, puis l'hiver, ça rentre dans une maison. Ben c'est ça, il faut l'hiverniser, puis pas juste ça, mais pour accéder au deuxième métier, c'est un genre d'escalier de bateau. Fait que comme quand tu dans la 77, septuagénaire, à un moment donné, c'est plus top. Fait, a... fait que là, ils font venir des, des, des entrepreneurs, puis là, le, le réflexe, c'est quoi? On te décolle, c'est ça, ça? On te met en PVC, le poutou, tu plein, plein de poutre, Là, Tu fais, ouais, mais c'est pas ça le concept. Le concept, c'est de maintenir la patente puis oui, de l'agrandir, mais dans le respect de l'esprit de « euh, ça va coûter cher ben », mais oui, mais c'est ça le concept, tu sais, puis, puis en fait, c'est cette espèce d'esprit-là qui, je comprends que ça vient avec des, 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 des côtés pas pratiques, mais ouais. n'empêche que, n'empêche que le patrimoine, c'est l'histoire, puis l'histoire, mais c'est des traces de ce qui nous a précédés, puis ces traces-là, il faut les préserver, puis je veux dire, après ça, je ne sais pas comment ça marche, ça m'étonne quand même qu'à l'intérieur, tu sois pas capable de refaire. Moi je connais personne qui a vécu dans des maisons ancestrales. Non oui, mais c'est ça le concept d'une maison. Personne n'apprécie. Mais moi non plus. Quand mais c'est pour ça. Pas. Mais c'est que... ce pas ce des maisons pratiques. Ce que je veux mentionner, c'est juste une blague. Puis je trouve ça intéressant. d'un côté, je comprends l'idée. Ah c'est important le passé. Puis voyons donc. Puis on, faut préserver ça. D'un côté, à tous ceux à qui ils vivent là-dedans, ils font. Ça a pire affaire. Mais c'est pour ça, c'est comme, oui, comme les gars qui rénovent des vieux chars. C'est que tu sais que ton char, la différence, c'est que tu risques pas d'attraper le rhume dans ton, dans ton char. C'est quand même mais, majeur. Mais, mais, mais ce que c je veux dire... C'est un droit à vivre quelque part. Oui, oh, sauf, que, sauf que ça vient avec. Moi, j'achèterais jamais une maison ancestrale, justement parce que j'ai pas la passion et la patience, probablement les moyens, pour rendre puis, ça confortable. Puis, comment tu te sens plein monde comme ça. Ben exactement. Sauf que je veux dire, mettons les gars qui ont des chars anciens, pour faire un, 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 vraiment un parallèle de, de, de bottines. Là. Mais comme, ben oui, ça vient avec son paquet de troubles, ça vient avec des pièces pas trouvables, ça vient. Avec, mais c'est ça le concept d'acheter un char ancien. Fait qu'acheter une maison ancienne, ça vient avec ses règles. c'est un peu ça le point, là. Mais. C'est <coughs> fatigant. C'est tout. Ben c'est fatigant, mais je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi la solution parce que. Non plus, je, je sais pas. À je un sais pas, moment donné, j'ai visité un, un appart dans le plateau qui était comme pratiquement échangé depuis sa construction. C'était vraiment beau vraiment beau mais est-ce que c'était pratique pas du tout zéro pas en tout zéro Optimiste. le, le chauffe-eau comme à côté, à, à côté du frigidaire à côté genre du four à côté c'est épouvantable c'était vraiment pas pratique mais j'ai pas habité là, là mm -hmm. c'était pas une c'était tu sais je tripais sur l'esthétique mais comme là dans, je me projetais dans on au mois de janvier Ouais. Puis là, ça, il va faire froid, mais en même temps trop chaud, puis en même temps humide. C'est ça, ça. Puis, puis là, je me projette. Tout ça pour qu'un party m'amène le monde fond. Ah ouais! Surtout que je fais zéro party. Moi, j'invite personne chez nous. Fait C'était juste pour. Mais non, mais c'est ça, je me suis projeté, puis j'ai fait. Ouf, non. Puis je suis parti. J'ai été euh, SDF. J'ai eu ma passe Renault, là, tout ça. Là, je dormais sur des, des divans. T'avais une passe où ton meilleur ami, c'était Gilbert Ozon. Hein? <laughs> c'était des amis. Qui ça? Gilbert Renaud et Gilbert Rosor, c'est des amis. Ah ouais, je savais pas. Ouais, c'était des grands amis. Ils le ah ouais. tout le temps. Ah ouais? Ouais, c'était Charles Trenet? Non, non, non. Charles Trenet, c'était. Ouais, non, Charles ouais, Trenet. Charles Trenet, c'est celui qui a lancé juste pour rire. Oui. Puis, euh, oui. Quelle ironie, hein? De quoi? Oh, mais... oui. oui, oui, quelle ironie. <rire> OK! <rire> hein? La mer. <mère. rire> Moi, ce que je pense, que c'est j'adore Québec. T'adores Québec. J'adore Québec. J'adore le monde de Québec. J'adore Les gens de Québec. Aussi. Ils sont extraordinaires. C'est mon public favori. Je vais le ouais. plus souvent jouer là-bas. Mais On les est... petits Champlain, là, puis en fait, c'est ça. Quand tu te sens, quand tu te sens aimé à Québec, tu sais comme tu te sens aimé. Ouais. là. Il te le rendent vraiment ouais. fort. C'est ça que j'aime. Uh, McQuarrie les décrit bien. Il vient de là. Fait que je te permets de dire ça. Québec, c'est une, une, une angry white man town. Puis les angry white man town, quand ils tripent, c'est extraordinaire. J'ai jamais perçu ça comme ça, Québec, mais ok. Ben, <laughs> J'avoue que j'ai jamais, jamais perçu ça comme ça. Mike a la meilleure joke sur Québec. C'est quoi? Dit, Les gens ne sont pas nécessairement plus racistes à Québec. Mais si tu es raciste, tu vas être plus confortable à Québec. J'endosse pas ça. J'endosse zéro ça. C'est un coup Québec. Oui, je sais, mais j'endosse pas ça. Qui a vécu du racisme en tant qu'anglophone là-bas? Ce qui est assez prof. En fait, c'est ça qui est intéressant à Québec, c'est qu'on oublie qu'il y a un passé anglophone Puis le Chinatown qui a été démoli par C'est ça dont il parle, Robert Lapage, dans la trilogie du dragon. Cool. La destruction du Chinatown. Mais aucune trace de racisme à Québec. Ben non, mais c'est des années 50 quand ils ont construit l'espèce d'autoroute atroce, là, leur échangeur turcot un peu. Là. Je comprends. J'adore les gens de Québec. J'adore que les gens de Québec soient très, très, très... Euh, ils ont beaucoup d'opinion. J'adore la radio. La radio de Québec, il y a une partie de moi qui fait « OK, t'es épouvantable », mais elle, elle goûte quelque chose. Au moins, c'est quelque chose, la radio de Québec. Quand es, tu pars à la radio de Québec, tu sais quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Tu sais que un des plus grands moments que j'ai vécu dans ma vie, ouais. niveau radiophonique... Ouais. Le côté, tu peux le raconter une deuxième fois. <laughs> si. à, à ton premier passage du plus ouvert, le côté. Ah, euh, la quéquette? Non! Oh mais vas-y. La quéquette j'te, j'te, colle? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Vas on est... Euh... Après ça, il n'y a, a aucun anecdote qui commence par « Hey, j'ai vécu de quoi de génial en écoutant la radio de Montréal. » Non, mais, mais <laughs> euh, on était... Ah, oh, fuck. on une est quéquette, en tout cas. Oui, on est, on est dans un moment assez névralgique de... Euh, la période MeToo, dénonciation et tout. C'était l'hiver. Je me souviens pas. Je pense que c'était en 2020 parce que c'était pour la COVID, j'étais là. Puis on, on vient de. Je me souviens, franchement, je me souviens pas. Mais on est dans un moment où Ouais que on est sensible sur ces questions-là. Et le segment que j'écoute, je me souviens pas du tout de la radio en, 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 tout, en toute franchise. Mais. pas Radio-Canada. C'était pas Radio Canada. Okay. Puis je pense pas que c'était FM93. D'accord. Fait que je sais pas après c'était lequel de tout de l'écosystème, mais je me souviens qu'il y, y a tout un rant sur les dénonciations, tout ça, ta, ta, ta. opinion polarisante. Oui, en fait, oui c'est voilà. Mais tu sais, il y a juste à Québec qui fait Hey, là, mais tout, on pense quoi de ça? On ouvre les lignes. Ouais, y a bon. C'est juste à Québec qu'il y a ben, ça. En tout cas. Fait que j'écoute avec fascination l'opinion de la population. C'est ça, on tu l'écoutes. Et là, on va à la pause. Mm -hmm. Et au retour, fouille-moi pourquoi, il y a. On, on part en musique avec. Et là, on vient de parler du Me Too. On vient de parler de la. C'est chargé, c'est chargé. C'est chargé, c'est dans l'atmosphère. Oui. Pub. On va aller en chanson avec DJ, je sais pas quoi, Eric. Et Eric, DJ Eric, a rien pensé de mieux à proposer. Que une version rap remix de J'ai la quéquette qui colle. <rire> Puis, <rire> ce qui est génial, c'est que sur les radios aujourd'hui, ça dit la toune. Fait que t'avais genre J'ai la quéquette qui coule. Oh. <laughs> Je en loup sur l'écran. C'est une version un peu remix. Et là, j'ai fait ça, tu vois, ça pour moi, ça encapsulait quelque chose de oui. grandiose. Oui. J'ai pas compris. Le chemin qui t'amenait à ça, à part un affront à l'atmosphère sociale. Extraordinaire. Mais j'ai pas compris encore comment tu es arrivé à... C'est une bonne idée de... un, Mettre la quéquette qui colle à la radio, point. 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 On va partir de là. Mais deux. Dans un contexte aussi explosé. Il y a tellement de musiciens québécois talentueux qui jouent pas à la radio. Et là, ils apprennent qu'ils ne jouent pas à la radio parce que... ont mis la quéquette qui colle. Mais comme... Tu sais, c'est une toune assez. Mais les musiciens, à bande n'allait pas, la bande pas. Non, non, pas mais c'est une toune qui dure quoi Deux minutes Même pas Pff, 25 compli... secondes, t'as compris. Oui, oui. Puis, mais ils l'ont fait comme un 4 minutes. Une vraie toune avec un bridge, puis là, tout. C'était comme. Un... J'ai arrête, arrête, la kéké, qui Il une scratch Oui, oui. Ah! Non, j'en revenais pas. Je me souviens que j'ai enregistré le moment. Comme dans les grands moments, j'ai fait comme, oui. que, qu'est-ce qui se passe? Que, mon... <laughs> qui s'est dit ça? Puis c'est ça que j'ai apprécié. Moi, j'aime les tentatives dans la vie. Mais c'est une tentative. Ah, c'en était une. Tu C'est réussi. On en parle euh, cinq, cinq ans plus tard. An, on ans en, parle plus, en parle encore. Trois ans plus tard, on en parle encore. On en parle encore. encore. On, je pense que dans 15 ans, on va en reparler. Je sais pas. On ne va jamais oublier ça. Mais je ne vais jamais oublier que j'ai entendu... La... Tu sais, ça, c'était la cochonnerie okay. que je trouvais sur Casa, genre au péril, genre de... D'ITS, de, 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 d'ordinateur. que... Autre truc que j'aime de Québec. Sortir à Québec, c'est extraordinaire. J'ai jamais sorti à Québec, sauf une fois, Dagobert. Génial. Puis ça finit fini qu'il y, y, y a une personne de petite taille qui m'a comme harcelé toute la soirée. Qu'est-ce que c'est par harcelé? Elle ah, voulait vraiment beaucoup de photos avec moi. J'en ai pris une au début. Oui. Puis là, hey, je fais une autre photo. Oui. Puis là, un moment donné, comme à toutes les 20, 25 minutes, elle pas bonne la photo. Puis comme. Ça se pouvait pas, là. À un moment donné, on en a pris huit. C'est extraordinaire. Ça peut pas que les huit soient pourris. C'est extraordinaire. Puis ça m'a fait quitter. Puis y a un autre monsieur qui, qui voulait vraiment faire l'amour avec moi dans sa chambre d'hôtel, sur la pas. grande allée. Mais t'en parles tout le temps. Mais c'est pas de ma faute, c'est ça. Puis c'est la blonde de Pierre-François Legendre qui a simulé qu'on était en couple wow. pour le chasser. <laughs> Mais comme il arrêtait pas, là. Les, les hommes qui désirent quelqu'un, c'est rough. Ah oui. C'est rough. Ah oui. C'est rough. Ah oui. rough. Oui, ben non, mais en fait, qui, mais qui était sous et intoxiqué, le monsieur. Fait qu'il n'y avait plus la barrière de peut-être que je vais trop loin. Je comprends. Fait que c'est un individu sur Grande-Allée l'été à Québec et il y a la blonde de Pierre, Fra la femme en fait, Pierre-François Lejeune. Tu es capable de pousser et de dire non, <laughs> non! Ben, tu es sur Grande-Allée, il y a 8000 personnes. Non, moi, je, je l'ai fait à Gatineau il deux semaines. Ouais, mais comme de dire à un monsieur, tu sais, qui, qui, qui s'assume à 100 Ouais. Tu sais, il a s'assumé et puis il a désagréable. Il était très. Mais c'est parce tu peux, que. Moi... Tu peux avoir une, avoir une identité, Mais c'est parce que, tu sais, une vidéo, pas... est pas... une est vidéo pas... virale est... est si vite arrivée d'un gars qui pousse un gars qui fait Non, je veux pas coucher avec toi comme. Tu sais il pas. Je oui, puis... mais, mais mais comme. Je préférais encore une fois la politesse. Je comprends. Hein? Moi, mais mais euh... la, la passivité. Et c'est grâce à la femme de Pierre-François Legendre avec la complicité de Pierre-François sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. qu'on a été capable de créer un stratagème où. Je part, il, il a fini par partir. Parfait. Ouais. C'était devant un restaurant très connu <laughs> que je peux pas nommer, j'imagine. Ça, a... mais... Ça c'est l'avantage que j'ai que je me traîne. Je traîne dans les endroits huppés. Fait que je peux faire un peu ce que je veux, Puis personne ouais. me filme. Puis au départ, personne ne me filme moi. Mais il y a deux semaines à Gatineau dans un truc de karaoké, super agréable, des grandes chansons. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et il a un euh, j'étais avec, avec Pony et je suis avec euh, Steph. Deux, deux super belles filles. Fait qu'il y a un gars vraiment sou qui veut se tenir avec nous autres. Ouais. Il aime ça se tenir avec nous autres. Yes. Il, il est fatigant. Il est juste là. Son drink. Puis il est intoxiqué. Ouais. Puis il est le même. Puis il est juste content d'être à la présence de deux belles femmes. Puis je fais comprendre, là, ce fatal. Quoi? Je suis juste, prendre une bière. Oui, mais tu peux prendre la bière, genre, quelque, quelque part plus oh, OK, man. Un peu weird, mais OK. Là, jusqu'à là, on va fumer dehors. plus loin du bar, il nous suit. Là, j'ai crié, non! Non, non, yo t'es un malade. C'est ça, mais il faut montrer que le monde est désagréable. C'est montrer que je suis plus fou que les autres. Puis c'est tellement désagréable comme moment qu'ils s'en vont. Ouais, j'ai pas la même approche. Moi. Je comprends ça. Mais, mais quand on est ensemble, c'est mon rôle. Quand le monde, que quand on est ensemble, oui, personne Toi t'es le bad cop. Je suis pas le bad cop. Oui, toi, tu le bad cop. Moi, je suis le front... bon cop. Je respecte mes frontières. Moi, j'écoute les gens me parler, me confier leurs espèces de. Sur le moche. Sur le moche, très ouais. souvent, ou en <coughs> tout cas intoxiqué. Très te le, le coupe sucre. De... Ouais. Hey, venez voir la salle de spectacle. Ouais, le fun à Rouen. Pas, pas C'est encore un regret. C'est encore un regret. Il, a, il voulait nous montrer une salle de spectacle pas finie. Et j'ai fait Non. Mais non, mais on peut boire là-bas. On peut boire ici. C'est à... un bar. Ouais. Tout va bien. Ouais, oh, mais j'ai les clés. Mais quand on va rentrer par infraction dans un bar dans une ville que je connais pas avec deux personnes intoxiquées. Pour peut-être prendre une caisse de bière dans de la poussière? Non. On va mais, la prendre ici, notre bière. L'aventure, c'est l'aventure. Puis je me rappelle, il y a fait Yo, t'es dans mes plate. » Puis je fais, All right, si être plate, c'est ça. C'est de ne pas prix. aller à, dans une salle qu'on ne sait pas à ouais. Rouen-Oranda. Non, ce n'était même pas à Rouen, c'était. Puis il y avait la swinger, ça me tapait ses nerfs. Moi, les swingers, c'est rendu spot là. Ah ouais? Ils m'énervent. Ah ouais? J'aime les, les swingers, mais quand tu peux être swinger, tu fais ce que tu veux. Si t'es swinger, puis tu veux vraiment swinger avec moi, puis tu m'en parles plus que 10 minutes, ça m'énerve. Oui, mais en même temps, tu sais, tu es conscient que, avec un podcast qui s'appelle T'as duré six ouvert, mois, ça a duré six mois, mais après, c'était fini. Oui, je sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui, ont, qui viennent d'embarquer dans, dans le wagon. La là. dernière fois, c'est arrivé, c'était à Québec. Bon, c'était après vas. un couple ouvert, on rencontre le monde, puis c'est la fois où les, monde, les gens sont toujours le fun, après ouais. nos shows. Cette fois-là, j'ignore pourquoi, tout le monde était étrange. Tout le monde était étrange. La personne avec qui on était cest normal On a fait Non, je sais pas ce qui se passe, c'est-tu les planètes Tout le monde était étrange. Donc, un couple, il a dit hey, « le euh, couple, vous autres, vous autres, ça vous tente-tu » On a dit non. Puis ils sont virés de bord. « Vous autres, ça vous tend » Puis ils sont partis ensemble. Puis ça, ce jour, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'est ça leur critère Oui, oui non Oui. <rire> <rire> <C 'est... rire> Je juste OK. Un pénis, puis un trou. Go. <laughs> Mais pour vrai, oui. J'étais là, oui. Oui, Philippe, oui. C'est pas trop, c'est pas élégant. C'est pas élégant. Illé... Oui, mais C'est pas élégant. Alors qu'il qu y avait toute une élégance dans leur démarche à eux, Non okay? <rire> <rire> Je suis pas d'accord, pas okay. d'accord Voulez-vous Non. Vous Oui. Et voilà. Tu vois-tu ben... l'élégance? Direct, Pang Concision, ouais. direction. On est là. Par contre, ce que j'aime dans, dans leur démarche, rien d'intrusif. Hey, je t'offre quelque chose si t'en veux pas. À toi, je te l'offre, t'en veux, allons-y. Contrairement à l'autre dans le grand allée que c'est pas facile ouais non lui je l'ai pas aimé ce monsieur là il apparemment il a été blacklisté euh, du fameux restaurant j'imagine <laughs> que es... j'imagine était... est-ce que <laughs> c'est une vraie question je te rire mais c'était vraiment c'était vraiment le moment dans ma vie où j'étais pas content je comprends Ça genre quand je suis pas content j'ai deux options mais comme on est en public, sur Grande Allée, l'été, il y a 800 000 personnes qui passent. Il n'y a pas 800 000 personnes jamais à Québec. Non, mais, mais tu comprends que je veux dire? Il y, y a beaucoup de gens oh, oui, je qui peuvent voir hors contexte un homme bousculer... Très fort. Oui, bousculer un autre homme. Puis là, rajoute le fait que... Il euh, y, 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 y a comme une atmosphère... Ça, ça peut avoir l'air de ouais. ce que ça n'a pas l'air, en fait. De ce que c'est pas. Puis... Fait que dans ce temps-là, moi je suis juste. cest d'un un couple qui chicane. Non, ça peut avoir l'air d'un gars qui est comme. qui, qui prend pas qu'un homosexuel l'aborde, là, quelque part. Ah, oh, vu de même. Tu genre, non, mais ça me tente pas. Ça, mais ce ça... qui normal, parce que je veux dire, comment dire. Alors que c'était pas que, ça du connais, tout. Je connais je Ça n'a jamais été ça, c'était juste que, un donné, quand tu connais, commences à me flatter le chest, c'est un peu intrusif. Je connais plein de femmes qui ne veulent pas se faire aborder par des hommes, qui ne sont pas hétérophobes. Pas vouloir se faire toucher par une personne ouais, qui est soule et qui sent le vieux djinn. Même, je comment dire, je t'en coupe. des fois, Steph, je veux pas que je la touche. Je suis pas comme ton tu T'es contre moi! Comme, non, là, tout de suite, <laughs> va-t'en. C'est tout. Il y a des gars qui sont comme ça, par exemple, hein? de. Dès comme ce que tu es Ah, c'est quoi le problème, là? Mais, je comprends. <laughs> je, comprends. je les aime pas, ces gars-là. J'imagine qu'ils Mais... touchent sur Grand Alley. Mais, une vraie question je vais te parler. Quoi? Quand il y a des musées exceptionnelles à Québec aussi. Magnifique. OK. On va y revenir. Quand l'homme. Oui. T'as appris qu'il était sur une liste noire. Puis il non, on me l'a confirmé le lendemain. Je... OK. Il m'a dit, dit Tu ne seras pas dérangé ce soir. Parfait. Jamais je me suis senti plus VIP que ça dans ma vie. OK. Tu t'es pas senti. Oh! Je suis pas le premier qui fait ça à tout le monde. C'était pas une préoccupation <laughs> du tout, l'exclusivité, <laughs> dans ce moment-là. Okay, C'était la survie, point. C'était comme me sortir, m'extirper. Parce que ce qui est fou quand ça arrive, ces petits moments-là, même si... Puis là, je reste un gars de 6 pieds 2, bien dans sa peau... Pas euh, oh, bien dans sa peau, mais fort. Mais fort, en tout cas, capable de, au moins, maintenir quelqu'un qui décide ouais. de... Bon. Fait j'ose à peine imaginer ce que c'est pour quelqu'un qui est pas dans ma position. Qu'est-ce qui est, qu est fucked up si tu l'avais étranglé? Il aurait vu tes grandes mains, puis il aurait passé à ton gros pénis, puis ça l'aurait excité. Tu as vraiment une obsession avec mon gros pénis, tellement, qui dépasse le. Mais ce que je veux dire, c'est comme. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça a gâché ma soirée. J'imagine qu'un homme sous qui touche la poitrine, ça gâche une soirée. Oui, puis qui descend tranquillement à chaque phrase. Bien sûr, bien sûr. Là, Tu enlèves, puis il revient. Je comprends. Bon, bien, tout ça pour dire que. Tu j'ose à peine imaginer c'est quoi pour quelqu'un qui est dans une position beaucoup plus vulnérable ouais. que la mienne, comment c'est sûr que non seulement ça gâche ta soirée, mais probablement ton rapport à puis, beaucoup de choses. Puis là. ta perception des yeux publics, ta perception des horrible. Ça... Fait que ça, pour dire que j'étais très content de savoir que l'institution en question qui nous recevait ce soir-là a euh, blacklisté ce monsieur-là. Et, euh, et merci encore une fois. Mais n'empêche que, ouais, euh, non, il n'y a, a pas eu de moment euh, d'exclusivité de « Ah, oh, il le fait à d'autres. » Tant mieux si. En fait, j'espère. Tant que... pis, tant non, pis. Non, j'espère qu'il le fait à personne d'autre parce ouais. que ça se faisait pas. pas ça se fait pas, ça se fait pas, ça se oh, euh, fait pas. J'adore les gens de Québec. Ouais. J'adore aussi les gens qui ont quitté Québec puis que j'aime les gens. Ce qui est cool de Québec, il y a beaucoup d'expats de... de Québec. Quand tu les à Montréal, tu le sais en 90 secondes qu'ils viennent de Québec. Ça ah ouais, c'est cool. fait Très vrai. vite, très je vite. Je sais pas comment, hein. Ils disent, disent tout le temps. Non, mais. Un même fait... de Québec puis tu... tu prends l'autobus. Non, mais tu... même tu pas ça. C'est vraiment dans. Ouais. L'atmosphère. L'attitude. Il y a ouais. l'attitude Québec. Je sais pas. Puis je, 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 à ce jour, est mystique. Moi, voici ce que voici je suis capable je, de la décrire l'attitude Québec. Des gens qui ont confiance en eux, qui respectent leurs frontières, mm -hmm. qui ont un amour des autres, oui. mais une certaine distance. Qui ont des chemises aussi ils souvent. ont des chemises aussi. Ils portent des mais chemises. C'est des gens très, qui aiment les groupes ouais. ils vont toujours rentrer tout seuls. Ça, je ne sais Con, pas. Si on... mais pas. Mais il quoi... y, y a une atmosphère euh, euh, ouais. communo... y a, y a... Ouais, collective. À Montréal, j'entends rarement, puis là, c'est peut-être moi, là, mais j'entends rarement des affaires de euh, à tous les soirs, j'ai des soupers chez des amis. C'est Comme... a... plus rare. Non, mais c'est vrai. Chez les Blancs, c'est plus rare. Ou... Ben, en tout cas. Chez les Blancs. Mais ouais, chez passe. les Blancs de Québec, ah il ouais, ouais. y a des soupers tous les soirs chez des amis. On dirait. C'est l'impression que j'ai. Comme la vie sociale est vraiment forte à Québec, ça a l'air vraiment. La, 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 en tout cas, ça a l'air. C'est peut-être un préjugé que j'ai, mais ça a l'air. C'est sûr qu'on parle. Euh, Qu'est-ce que j'aime aussi J'aime, j'adore Québec. C'est une des rares villes, mis à part Montréal, je m'installerais là. J'adorerais vivre à Québec, Surtout, euh, particulièrement Louis-Limoilou. J'adorerais vivre à Louis-Limoilou. Moi. <laughs> Toi tu veux même Toi, comme trois quartiers dans lesquels tu veux vivre à Montréal. Ouais, à peu près. Toi c'est comme vivre à Outremont ou Vienne, c'est pas Non, même deux. pas Vienne, Paris peut-être. Paris ouais. Outremont. Bon. Tu à peu près ça. Ça là. Ouais. Peut-être 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 tu sais comme dans les Hamptons aussi une résidence secondaire. Ouais, c'est à peu près ça les trois. Les... <laughs> c'est les trois endroits. C'est un, où tu un peux vivre. endroit excessif. mais Westmount, Westmount. C'est bien Westmount. <coughs> ouais, c'est vrai que Québé non, mais, mais n'empêche que tu sais comme il y a une affaire que j'adore à Québec, c'est quand tu prends euh, Grande Allée justement là, les maisons sur le bord des plaines à chaque fois là, je trippe à mort de regarder ces maisons là. Hallucinant. Ouais, elles sont tellement belles. Ouais. Mais les belles maisons de Québec sont vraiment belles. Je me demande tu sais, comment vivre à Québec parce que <rire> Pourquoi <laughs> quest ce que ah. T'en parle comme si c'était comme maintenant c'est quoi vivre à Pattaya là comme ben mettons les, les gens que je connais de Québec souvent ils ont hâte de quitter Québec les, 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 je parle des plus jeunes ouais. parce que autant moi j'adore sortir à Québec parce que je connais personne uh -huh. mais tous ceux que je connais qui viennent de Québec qui font venir de Québec c'est tough parce qu'après trois semaines c'est toujours le même monde mais apparemment c'est ça il y a vraiment une atmosphère village à Québec mm -hmm. que, que j'ai jamais moi je me suis pas intégré là je viens pas de là non je... on, va juste, on, on va faire des spectacles puis la fête <coughs> Oui, à peu près fait qu'on est comme de passage là, mais c'est vrai que mais c'est vrai qu'apparemment c'est très fort l'esprit Québec, c'est un village. Pour citer Black Tabou Québec, c'est un grand lit double. Let's go Black Tabou. Let's go Black Tabou. à double. Black Tabou, on laisse de passer. On on de pas 8-3 Black Tabou, les mois Stars, les Moalou Stars ben, en fait, il y, y, y a comme la scène pop doit beaucoup à Québec, j'ai l'impression. Énormément. C'est 8 3 qui s'est levé, qui est élevé, qui allé à la disque. Ouais. mais un moment de la disque. Guillaume le Lepage la... qui lance un, un trophée, puis Guillaume Lepage qui accueille 8-3. Super bien. Il ouais. a vraiment bien fait. Oui, ah, bonjour, mais je vais Oui, oui 8-3 a vraiment bien fait aussi. Ils ont été éloquents, clairs, précis, puis ils ont fait valoir leur points qui était tout à fait valides. Ouais. Puis comme... on ga... ils ont gagné. Oui, puis c'est comme de toute façon. C'est ça, c'était comme parfait sur toute la ligne. ouais Oui. C'est dit à deux princes, 8-3. Ah, il était un êtes... modèle. Ouais. <laughs> on, 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 en, on, on, on se dit ceci. De 8-3? Pas nous. Ah non, moi... Nous, 8 -3. on s'associe aux 8-3. Ah oui, moi, euh, rajoute 104, tu vas savoir ce qui arrive quand tu sors. Tu sais pas cette toune-là? Je ne suis aucune chanson de 8-3. ça, represent, represent. Mais voyons, leur première toune à 8-3. Je suis désolé, je ne sais pas à quoi tu fais référence, mais je suis certain Comment que c'est très, ton très bon. Comment je magnum, vite, comme ton sternum? Attends, je, je, les paroles vont me revenir, mais... Je pense que c'est sexuel, ce que tu décris. Ben je pense que le magnum, ça a rapport au, au préservatif. Non, moi, j'ai toujours vu ça comme le, le fusil, le magnum. Peut-être que c'est à double sens, autant le revolver que le préservatif. Peut-être, mais, euh, mais à un moment donné, il dit. Euh... Ah oui, plus mortel que. Puis, ah, ici, je débarque comme mes gang... bandits, plus mortel que le débarquement de Normandie. Je t ai, t ai... Si, 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 si je t'ai trust, euh, non, si tu me si mais ben, je t'ai menti. Enfin, même... C'est fou, là, cette tonne-là. Euh, pour ceux qui nous écoutent. C'est le pire et, moment de l'histoire du rap québécois y qui ont, vient de se passer. Ils ont des meilleurs moments dans leurs chansons que oui. ce que Philippe vient Mais de... je viens de dire que c'était tellement nice. Je t'accroche comme un brochet. Oui, c'est sexuel, ça. Ah ouais? Mais oui, veux-tu que je t'explique ou non? Non. OK. Mais euh, Black Tabou aussi, ça vient de Québec. Oui! Ils ont déjà <laughs> assisté le spectacle? Non! Ouais! Parce que Bob Le euh, c'est un de ses grands amis. Au nom du Pad et du Vice. Il <laughs> n'y ben a pas de seul. Non, mais c'est était... ça le nom de leur album. J'en doute pas. C'est à ce jour, les, les chansons, je les connais par cœur, malheureusement. Ça me faisait beaucoup rire. Mais ben, ben encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça me fait encore beaucoup rire. Malgré le fait que ça se dit pas je ce veux... qu'ils disent. Mais ben, ils l'ont dit, puis ça va bien, c'est des tunes. Pour... Euh, Tyler, le Creator, avait dit quoi de génial dit, Sur euh, Black Tabou. <laughs> malheureusement, <rire> non C'était sur sa musique. Ah. Tyler, le Creator, longtemps, c'est des, 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 des chansons même qui ont été effacées euh, de Spotify, ben c'est des chansons assez agressives. Il avait dit, je trouve pas ça juste. Il dit, nous, la musique. Tu sais, moi, je ne pense pas à ce que je chante. Je déconne. Il dit, Quentin Tarantino. Là. Quentin Tarantino, à l'époque, c'était Kill Bill. Il y a une scène où il y a une fille. Elle coupe le pénis d'un autre gars. Puis, ça pisse le sang. Non seulement, il est nominé aux Oscars. Il est encensé. Il est riche. On va au cinéma. Le monde achète du popcorn. Tout va bien. Moi, je fais des chansons un peu plus rough. J'étais épouvantable. On se demande si moi, je pense comme ça. Mais il va être responsable d'une souris dans une école, assurément. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps la musique aussi. Oh oui, c'est crois. C'est pas, tout... pas le, le, le... Non, non, non c'est pas le laisser râler sur les armes à feu. C non, pas... c'est la musique. <laughs> c'est la musique. Il n'a pas écouté la bonne toune. <laughs> il n'a pas écouté la bonne toune. <laughs> mmh. C'est ça. ça. Je pense à commencer avec... Charles Manson, qui avait dit que la chanson Halter Skelter des Beatles, dans le fond, c'était une analogie de la guerre raciale entre les blancs et les noirs. C'est comme ça a commencé à. Tuer ben oui, du parce monde. que les Beatles, c'est connu qu'ils étaient vraiment positionnés flore <laughs> les guerres raciales. Les droits civiques et. Oui, euh, oui, oui. c'est. tuer l'autre. Et l'autre. C'était vraiment oui. pas l'amour. C'était vraiment ça. C'était tuer l'autre. Ah, ouais. Les Beatles, c'était ça. C'est une très bonne interprétation. Oui. A... Merci, Charles. de <laughs> tout compris c'est sais, le musée de Charles Manson. Des, on, il, on peut écouter ses chansons, oui. C'est ça, je ne vais pas écouter ça. ça là. <laughs> des raisons pourquoi il, tu fais, il voulait euh, intégrer le, le, le mieux de la musique et avec un des Beach Boys. Bref. Oui, oui, ça, oui. on allez faire un épisode sur Charles Manson. Je ne sais pas. <laughs> on pourrait en faire un sur les Beach Boys, par exemple, parce que ça, c'est incroyable, les Beach Boys. Moi, je continue à dire que... Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est grâce aux Beach Boys que les Beatles se sont dépassé. Ah là, dit que c'est les Stones, mais je crois pas que c'est. Mais fait... pet, pet Sounds, là, comme mm -hmm. il, Paul McCartney le dit, tu sais, il était comme un peu fier d'eux, nanana, nan, puis là, il écoute Pet Sounds, puis là, ils sont comme, au pour chien. travailler, faut qu'on soit meilleur que Le bang, ils sont arrivés avec comme, euh, ben, la suite, le Revolver, puis euh, euh, Sergeant Pepper. En fait, c'est surtout Sergeant Pepper. Je pense Pepper. que la même année. Bref. Ouais, ouais, euh... non, non c'est ça, mais c'est gra... en fait McCartney l'avoue que c'est en écoutant Pet Sounds qu'il a fait. Ouh, ok, il faut qu'on soit meilleur, qu'on évolue. Mais c'est un des plus grands albums, selon moi, de l'histoire, le Pet Sounds. Tout à fait. Si ah, pis si vous voulez vous amuser sur YouTube, allez écouter. Euh, pis, euh, juste écouter, mettons, tu prends des grandes chansons des, des Beach Boys, puis tu fais chaque instrument, mettons, juste, juste les voix, ouais. juste la guitare. Tu vois à quel point c'est dense comme musique. Oui, mais Brian Wilson, c'est un génie. Bon, malheureusement, il était fou. Je... Est pas fou. Non, mais il est était pas fou, mais dépress... était... Non, est il était en dépressif. Con... Non, mais en fait, c'est une condition parce que c'est une maladie, genre son espèce de dodo, de, 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 ben, son ouïe euh, comme un peu parfaite, puis tout. Là, parce qu'il conçoit les sons avec des... des... Il me semble que des, des images de la lumière ou des couleurs. Possible. Non, mais en tout cas, c'est une, une condition qui mmh. fait en sorte que c'est pour ça que c'était insoutenable pour lui de ne pas entendre la bonne note, c'est que c'était agressant. Fait que y, y, les enregistrements des Beach Boys, apparemment, c'était épouvantable parce que, justement, il était tellement... Puis au début, on était comme, « ben il est un peu spécial, Brian. » Mais ça on... sonne en tabarnak. Oui. Mmh. Puis comme... c'était En fait, les Beach Boys, ça reste du jamais vu. Ça, c'est une autre affaire. C'est comme Black tabou hein? Ça reste du jamais vu. Puis... <laughs> Génial. Qu'est-ce que tu penses de Clotaire Rapaille ah, tu Voilà parlé? On peut pas parler de Québec mais sans moi, parler un des gars de tous les temps. C'est un des grands moments là, dans notre histoire populaire. On a un ami journaliste à la console, Milic. Clotaire Rapaille, tu sais-tu J'ai aucune idée. Non yes! C'est pas c'est qui Il est jeune, il sait pas, il est trop il jeune. OK, mais on va t'expliquer le contexte. OK. Pour on le 2010. Non, 2000... 2008, c'est pour le 400e de Québec. Je suis pas mal sûr. Continue. Okay. je suis mon ciel, Mais à, mon, à mon souvenir c'est en 2010 De mémoire, pour dynamiser l'histoire okay, de Québec Pour, euh, pour euh, mettre du vent dans, le, dans les voiles euh, du tourisme à Québec Pour euh, ouvrir Québec au monde, on fait venir un expert marketing Un gars derrière le succès de la PT Cruiser Un gars, un français, qui s'appelle Clotaire Qui charge une fucking fortune Deux, trois mille c'est en, en février 2010. 2010, bon, tu vois. Et là, c'est l'expert. C'est genre le Philip Stark. En fait, il est au marketing, ce que Philip Stark est euh, au design. tu sais C'est-à-dire que ça peut être cool, mais c'est quand même de la scrap. Mais en tout cas, tu sais, pour, le, hey, opinion controversée sur Philip Stark. Je veux dire, il a fait des belles affaires, on est d'accord, mais là, comme, il, il run sur son nom. C'est tu sais, pour dire que Clotaire Rapaille, Arrive et là il fait une conférence de presse grandiose où il porte des lunettes aviateurs Ray-Ban, cheveux blonds, très français. Le extrêmement gars, le français. Le gars le plus français Il est. Que français, il capote les Américains. Oui, exactement. Et il habite au Connecticut depuis je sais pas combien de temps, en tout cas aux États Unis. Il raconte son CV comme tout fait comme fait tout bon français qui se pense bon. Il raconte son CV. Là il dit qu'il a travaillé avec les plus grandes firmes. Chrysler, nanana. Nan, ouais. nan, 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 nan. T'appelles il... les firmes ils sont. Ils, ouais, tu le succès de la PT Cruiser, c'est qu'en fait, je pense que c'est pas lui qui a designé la PT Cruiser, qui qu'on a tous. mais en fait, moi j'aille pas la PT, mais comme modèle controversé. Le t'es déjà conduit? Ouais, c'est platement. Voilà, c'est ça. Mais comme mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens où c'était une auto qui avait son élégance, tu sais. Euh, juste avant, dans la conférence de presse, qu'est-ce que dit génial? Oui, bah ben attends, on y vient. Là. À la conférence de presse, on lui raconte Mais qu'est-ce que vous connaissez du Québec? Qu'est-ce que vous aimez du Québec? Et là, il raconte en gros que Félix Leclerc, c'était son boy quand il était petit. Puis que sa mère, en 44, elle chantait des chansons de Félix Leclerc. Ouais, pendant la guerre. Puis, pendant la guerre. Puis là, tout le monde est comme Ah, oh, ouais, wow, wow, wow! Puis là, il y a des journalistes qui font leur travail de journalisme, qui, 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 qui font comme. Félix Leclerc en France en 1944, il n'était pas Spotify. Il fallait mm -hmm. savoir en esti qu'il existe, Félix Leclerc. Et là, on a réalisé que en conférence de presse, pour s'introduire, pour justifier ce qui, ses grands plans, ses grands chantiers, il a menti, mais éhontément, à la population québécoise. Ouais. Et il a fait une job de marketing de cul. Parce que la moindre des choses, c'est que si tu racontes ton rapport ouais, au il, Québec. Il était mis d'or en un mois. Oui. Ça a pris un mois pour qu'il perde son poste. Oui. Puis euh, Félix Leclerc, pourquoi ça ne marchait pas? C'est que Félix Leclerc a commencé à jouer en France en 1951. C'est ça. Fait qu'en 44, non, ne pas il, les En 44, souliers. il n'était pas tant connu, même au Québec. Même non. lui, ça, il n'a pas écrit les chansons. Genre, fait comme pour qu'un Français, mm -hmm. sous l'occupation, ait accès à du Félix Leclerc. Et mais la mais, libération mais pour par la France. Clotaire à c'était aussi… Du marketing, mais c'est oui. du marketing qui était la influencé qualité. par la psychologie. Oui, en plus. Qu'est-ce qu'il que dit à la conférence de presse? Me souviens pas. Il a dit que Québec. Je suis pas si intelligent que ça, j'ai vu la page Wikipédia avant de venir ici. Il a dit que Québec avait une relation sadomasochiste avec Montréal. Oui, c'est vrai. Qu'il voyait tout le temps il tout le temps comme deuxième, puis il était sadomasochiste, puis qu'il a enlevé ça. Fait qu'il a commencé à dire. C'est positif, ça. C'est que mais, commencer en parlant de sexe, c'est génial. de quoi Je comprends pas. Le... C'est ça qui est génial. C'est que c'était pas clair dès le départ, mais en gros, c'était pour il, revamper l'image. Le code. Il a dit il faut savoir c'est quoi le code de Québec. Oui, le Puis code. Pour ça, ça coûte 300 000 300 000 Puis finalement, ça, ils l'ont mis dehors. Puis ils ont coûté, je pense, qu'ils ont dépensé en tout 225 000 Oui, il a quand même fait le, <laughs> le bâton clotaire grâce à une conférence de presse. C'est sûrement la conférence de la presse la plus chère de l'histoire. Ouais, il y a aussi des qu'un Américain il a donné un chocolat. Euh, quand il a été libéré, il a donné un chocolat. Puis là, quand il a raconté l'histoire, finalement, c'était pas euh, un chocolat, c'était un bonbon, puis il est monté dans son tank. Parce qu'il venait de voir la vie est belle, j'imagine. Fait il s'est dit ouais, c est c est drôle, la même... Mais c'est la même fin. Comme c'est sûr qu'il a vu la vie est belle en disant « c'est bien meilleur cette histoire-là, m'a le raconter. Fait que le terrain est extraordinaire. Et ça a duré un mois. Un mois. Un mois un de mois. gloire. un eu... a, euh, a été euh, fait. Infoman a fait, je sais pas, un petit ben là-dessus. Oui. Tout ce qu'il fait dire, c'est monter des, des séquences de Clotaire Rapaille. Dans pis... d'autres qu'on fait, parce qu'on réalise que Clotaire Rappail, dans le fond, c'est un boulot chuteur professionnel. Sans jokes, c'est qui Clotaire Rapaille? C'est le monorail d'Insimpson. Oui. C'est le gars qui arrive, qui ouais. prend plein d'argent, qui fait chanter. Il fait chanter tout le monde, il n'y a rien, il s'en va que le fric. Oui. Puis, en fait, Clotaire Rappail, il y a. Tu sais. Québec est déjà nice de même. Fait à la base, ça servait à rien. Puis je sais pas je sais pas trop c'était quoi le but, le réel. Parce que ça. je pense que Québec voulait être comme Montréal, c'est-à-dire se faire avoir par un Français. Comme nous, on s'est fait avoir avec le, le stade olympique par un architecte français. Plus là, c'était autour de Québec. Tu penses? Convaincu. Tu penses que c'était le... C'était le but. Euh, oui, c'est le but. Ouais. Ben en tout cas, il a diagnostiqué on, un... Au Québec, t'es pas une ville tant qu'un Français te vole pas d'argent. Ben, je veux dire, c'est l'histoire de la colonie. Ouais. Comme pour vrai. Oui, c'est ça. L'Égypte, c'est ça, ça l'histoire de la colonie. Ouais. Comme pour vrai, de vrai, de vrai. D'ailleurs, tu vois, j'ai des réflexions vraiment euh, qui. qui euh, je serais curieux d'en parler avec un historien parce que, tu sais, bon, parlant de Québec, on fantasme tout le temps sur. Euh, en fait, Québec, je pense c'est le lieu. Du déchirement originel de notre identité, là, la défaite des plaines d'Abraham, comme ça, ça touche à virer notre histoire. Puis je pense que c'est une cicatrice pour beaucoup. Puis bon. Si ça vous intéresse, un épisode au complet avec un historien, Laurent Turcourt, sur la, 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 la bataille des plaines d'Abraham, Il ouais. s'intitule La bataille des plaines d'Abraham. C'est ça. Mais, mais comme il y a tout le temps une espèce de fantasme au Québec de et si on avait gagné ou et mm -hmm. si on était resté. faut jamais oublier que Napoléon a vendu la Louisiane pour genre 200$. Enfin, rien. Faut comme, la guerre. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il nous aurait vendu à un moment donné ou à un autre, là. Bon, sûr et certain. Euh, oui, contre-argument à ça, peut-être que ça ça, c'est nul comme argument. Si vous connaissez mieux l'histoire, rentrez-moi dedans. Mais c'est pour ça que je serais curieux d'en parler. Vite de même, le Canada est plus... Ou le Bas-Canada, je sais pas, je sais pas bon là-dedans. Le Canada était plus... Il rapportait plus que la Louisiane. Pas vraiment. Non? Pas, pas, pas à cette époque-là. on avait... Non, c'était. Euh, euh, non, on avait, parce que. On a des, on a des pots. On, on, oui, on a... mais c'était rien comparé, mettons. On n'avait pas. Tu sais, il n'y avait pas encore de ressources minières extraordinaires. Pas encore. Il n'y avait pas d'exportation, tu sais. C'était du bois, des pots. Tu sais, je veux dire, l'économie du Canada à cette époque-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a construit le chemin de fer, que là, on a créé la Confédération, que là, vraiment, il y a eu un essor économique. Mais genre, à cette époque-là, début 19e. 50, 60 ans après la bataille des plaines d'Abraham, le Canada, c'était pas encore. Euh, on pourrait argumenter sur le fait que ça laisse encore aujourd'hui, il laisse vraiment, mais c'était pas une puissance économique euh, où il y avait un potentiel extraordinaire parce que chaque exploitation des ressources de demandait. En fait, la simple exploitation du territoire demandait des ressources financières, humaines, technologiques Incroyable. Hey, c'est pas rien, là, monter, là, puis explorer le, le Yukon et les territoires si, du Nord-Ouest. Surtout dans ce temps-là. Si ça valait rien, les, les, les deux puissances mondiales de l'époque ont quand même fait la guerre. Non, mais là, là c'est parce hein. qu'après ça, les Anglais, ils ont été plus. Les, les Anglais, en fait, faut pas oublier la relation avec les États-Unis. C'est que là, tu sais, dans le sens où ils ont, ils ont une espèce de port d'attache aux États-Unis sont capables. c'était stratégique. Le Canada est, dans les. les mettons le Canada et dans l'Amérique dans du Sud, on va dire, là, dans un autre lieu, je ne sais pas. Je, franchement, je ne ouais. sais pas. Mais les Anglais, ils n'ont y, y y y pas. Ils euh, y, y ont, y ont quand même une belle tradition de garder la mainmise sur leur colonie. En général, euh, depuis le début, là, y, y, leur influence est toujours là, un petit peu. Ou mmh. ils ont botché le. Ils ont, ils ont vraiment botché la, la décolonisation ou ils sont encore là, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai tellement aujourd'hui c'est la fête de Charles, j'ai hâte d'avoir nos pièces de monnaie avec sa face. J'ai vraiment hâte. Comme j ai, j ai... il y a une hype là, dans ma vie là, avec. Je suis content qu'il n'y ait plus d'argent euh, papier beaucoup. Pourquoi <laughs> Moi, je pense que la reine va rester sur le billet de vin. Tu penses Oui, oui. Ok. Parce que je pas pense le... pas le plus joli. Ben, la reine était tu vraiment la plus hot chick Pas hot, mais elle apaisante, et rassurante. C'est comme une grand maman. Ouais. Là, tu veux pas voir un grand papa Non. Moi, c'est William. Moi, c'est William. J'ai pas hâte. ouais, Un chauve calvitie, là. Comme moi, moi sur de l'argent, c'est pas fort. Non, c'est ça. on veut pas ça. En plus, plus tu vieillis, plus tu pourrais ressembler. ouais Yeux bleus, cheveux blonds. Fatigué. Des yeux fatigués. Des yeux de. Ça va-tu? Dors-tu? Je dors super bien. Il sort avec fille qui est nettement plus belle que lui. Nettement plus belle. Comme toi? Elle s'est fait dire une fois à Londres qu'elle ressemblait à Kate Middleton. Steph? Oui. Celle-là, tu vendu. Elle était-tu contente? Oui, elle était contente. Je comprends. Très heureuse. ouais As-tu oh, autre chose à sur rajouter, Québec sur Québec? Super ville. Moi, j'aurais aimé ça, qu'il y ait les Jeux Olympiques en passant, puis c'est très sincère. Parle-moi d'une ville comme, à la place d'aller à Sochi, Il là... faut mentionner juste avant. Le... Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont failli avoir les Jeux Olympiques en Je 2002. Me... Rappelle-moi le nom du, du maire de l'époque. C'était. Euh, attends, attends, attends. C'était l'Allier, il me semble. Jean-Paul Lallier. Non. non. C'est le dernier maire là, qui, qui, qui. Régis? A... Oui, Régis Labombe, la bombe. En passant, il y a un euh, monsieur extraordinairement, ouais. euh, incroyablement gentil qui sait te mettre. Ça, tu vois, ça, là, les bons politiciens, j'en ai rencontré dans ma vie. Là. Lui, j'ai jamais vu ça. Il te parle, t'as l'impression que tu y as parlé toute ta vie. Que... C'est un politicien. Oui, non, mais il y en a des plus habiles que d'autres. Je comprends. Euh... Ouais, pas que Jean-Charles euh... ça force. Tu pour dire que Régis la bombe il a vu. tient toujours. Non, Régis, <laughs> non! Régis Labombe, une de ses grandes forces, il a vu le comité olympique. Ouais. Il a vu toute la corruption, puis il a fait non. Oui, mais c'est ça. <laughs> non. Non, mais moi, c'est ça que j'aimais de Régis. Avoir par à peur, mais je ne me ferait pas avoir par le comité olympique. Ah euh, non, puis on s'entend que Québec, en fait, oui, ouais, je pense que le, le vrai problème, c'était l'épreuve de ski. Mm -hmm. la, la montagne dépassait pas haute. À... Oui, mais là, il avait prévu faire une montagne. Tra, tra, que, comme façonner le massif et pour qu'il a sous-entendu, je peux me tromper, il a sous-entendu, ouais, mais pour avoir les Jeux olympiques, il faut faire, faut graisser la patte de certaines personnes, puis je ferais pas ça. Ouais. Bref, pour avoir les Jeux olympiques, il faut faire la corruption, non. Ouais, et la Coupe du monde aussi. Ça, c'est... il se cache même plus. Non, mais, <laughs> non, mais là, plus. tu sais que le président de la Coupe du monde, il habite au Qatar en ce moment. Ah! <laughs> Quel hasard! Ouais. Là-dessus, vive Québec. On vive aime les Québec. De Québec, on adore aller. Euh, Toute une date à Québec? Oui, le 4 avril à la salle, Albert Rousseau. Ça va être la première fois que je vais aller à Albert Rousseau. Ce serait fou que ce soit quand même respectablement. Non, ça va rempli. être plein, je sûr. Je sais pas. Non, ai mais j'ai joué à Octave Crémazy, genre cinq soirs, plein. Fait que je suis vraiment. En fait, c'est ça que. Non, mais je vais finir là-dessus. Moi, j'ai commencé à jouer. Le premier show que j'ai fait professionnellement à Québec, j'exclus l'École nationale de l'humour, puis je vais exclure un peu Comédia. Parce que Comédia, c'est un festival, fait que tu as toute l'infrastructure du festival. Cela dit, Comédia, euh, probable, un festival où on est incroyablement reçu, ouais. quel, quel que soit ton statut dans ouais. la, la hiérarchie de l'humour. Bien payé, bien logé, bien organisé, c'est trippant, Comédia. C'est vraiment à vous, là. Non? OK, je suis seul à trouver ça? OK, moi, je tripe à Comédia. J'ai toujours des belles chambres d'hôtel. Et des bons cachets. <laughs> non, puis des projets le fun aussi. Excuse-moi, cet été, c'était trippant. Cool. Jouer avec Adib, Catherine, dehors, c'était trippant. Tout ça pour dire. La, 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 ce que j'aime de Québec, c'est que c'est pas ma ville. Euh, je vais aller à quelque part avec ça. C'est pas ma ville. Fait que quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste, j'ai joué dans les petits bars. Pour pas le nommer, Rideau Rouge. Probablement l'un des mes pires spectacles en carrière. Et... Euh, parce que j'ai joué devant euh, des gens qui venaient de perdre leur job au ministère. <laughs> fait que l'ambiance, qu ils ne savaient pas qu'il y avait un. c'était leur dernier souper. Ouais. Ça, c'est génial. On est en temps de Noël. Il y a une table. Il y a trois tables euh, longues, de peut-être 20 personnes. C'est des parties de Noël. Trois entités différentes. La plus grosse au milieu, c'est des gens du ministère de l'Éducation. Ils ne sont pas au courant, ces gens-là, à leur partie de Noël. Qui a un show d'humour. Ça, ça va très mal. Ça va excessivement mal. Il y a des gars des remparts de Québec dans des, 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 à côté aussi. Donc, personne est dans le mood pour se faire dire des blagues. Mm -hmm. Moi, euh, c'est Pascal Cameron qui animait. Pascal, il dit je vais faire un 10 Là, je vais essayer de mettre l'ambiance. Il finit par faire, mais héroïquement, genre 25, puis au bout de 25 minutes, pas capable qui abandonne, chose que n'importe qui, moi mm -hmm. j'aurais fait ça dans de 7 minutes. Bon mais ben, je pense que cette année de me voir, je vais vous invite on va Philippe Audré. Fait que moi je monte sur scène, je viens de commencer l'école de je viens de commencer l'humour. Non seulement personne ne m'écoute, mais c'est juste c'est comme j'ai de la peine. Puis là je <laughs> commence à faire des blagues avec les gens, est tu sais qu'est-ce que tu fais du crowd work Tu fais du crowd parce que c'est la seule façon d'attiser quelque chose. Là, ben, dans les mauvais shows, il y a deux, <coughs> deux manières de, de faire. Soit tu fais du, ce que tu as fait, du ouais. crowdwork, tu essaies de, de leur parler, let's go. Euh, on, avec on, vous. on sort du texte puis on va. On ouais. Ou tu t'en vas. Je serre les dents, je fais juste Le raconter, mon, raconter mes, mes jokes. Ouais. J'ai ma montre, puis dès que mon temps est fait, je lève la main puis je fais c'est tout pour moi. Ben ça, c'était un mélange des deux. J'avais ma montre, puis là, je commence à parler aux gens. « Ah, oh, vous venez du ministère, nanana, ouais, ouais, OK, cool. » Puis là, il venait d'annoncer qu'il y avait des mises à pied, genre, mais massives. Puis là, je ah, « Êtes-vous… Euh, comment ça se passe? »« On a tous perdu notre job, c'est notre dernier super ensemble. <laughs> » Puis Écoute-toi. » Puis c'est moi qui est là, avec quatre mois d'expérience. Puis là, je suis comme « Ouf, ça, je sais pas, comme… » Puis c'était tellement tough mm -hmm. que je suis parti, puis je me suis excusé que c'était Guillaume Pinot, le « headline ». Je sors en disant hey Guillaume, je suis désolé, j'ai bosté le temps comme fou. J'avais fait 15 minutes pile, mais te dire à quel point c'était long. Fait que ça pour dire que ça, c'est mes débuts à Québec. Puis tranquillement. Ça va mieux. D'un bord à l'autre, d'une une blague à la fois, j'ai commencé à être capable d'aller au petit champlain. Puis le petit champlain au début était à moitié rempli. Puis à un moment donné, il est devenu rempli. Puis là, il est devenu rempli deux soirs, puis là, trois soirs. Puis à un moment donné, je vais à Octave Crémasi. Puis là, Octave est comme. Fait que, comme Québec, il y a comme une relation vraiment de... de qui me touche le que tranquillement, j'ai. Le je que... veut dire. C'est ce qu'aime de vous Québec, si vous fait, vous donnez de l'argent puis de l'attention. Non, c'est pas tant ça. C'est que je trouve qui... que c'est une relation qui, est évo... qui, qui, qui évolue puis qui construit puis qui oui, est comme... je comprends. Qui, est comme... qui me remplit de fierté en fait. Je crois... Comme je, je suis super touché de voir qu'il y a toujours plus de gens. Qui... Qui... Ben, il y a souvent des gens qui viennent venir me voir à Québec, même si je ne viens pas de là, même si je ne connais personne, puis ça me touche. Puis j'espère juste être à la hauteur de cette attention là qu'ils m'offrent. C'est ça que je veux dire, parce que j'aime cette ville. Et il y a des musées exceptionnels! Le musée des beaux-arts, c'est pour moi, c'est mon préféré. Vraiment. Dit... Les Nordiques ne viendront pas, mais c'est autre chose. On le sait pas, on le sait pas. On le sait. On le sait pas. On le sait. On le sait pas. On le sait. On le sait pas. Le sait. Le sait pas. Garde la foi. Moi, j'étais vous. J'aurais la foi dans autre chose. Non, gardez la foi. Le festival de ville québec il plante au festival. Fait que félicitations. Ça, c'est vrai. 100%. Del Rey clenche à Chicago. Non, mais je veux dire, c'est quand le dernier. Quand le dernier concerts mythiques. Les, les concerts mythiques, en général, sont de Québec. Euh, ben, le batterie du siècle de Pink Floyd, c'est pas pire. Non, 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 mais mettons les Coloc. Je connais pas, je savais pas qu'il y avait un concert Oui, des... oui, le, le, le show mais des Coloc mythique. Le, le concert de Paul McCartney, mythique. Céline sur les plaines, mythique. mythique. Les Cowboys, mythique. Comme, c'est des shows légendaires, là. Légendaires. Félicitations. Peut-être que la force de Québec, c'est plus la culture que le sport. Ah, puis vous avez gagné. En plus, vos remparts sont forts. Tout va bien. Non, la, la, le rouge et or aussi. Ben là, ils sont dans une passe un petit peu avide comparé au carabin, mais on n'en parlera pas. Mais les remparts. Non, mais c'est vrai, mais le rouge et or, meilleur uniforme en passant du football, point. Rouge et or, oui. All right, c'est Comparé à qui Comparé à qui euh, Alabama sont beaux. Alabama, oui, mais c'est le même principe. Là. Rouge avec des. Ouais. Euh, félicitations. Euh, vous avez la poudre trip sur une fois niveau niveau fashion Québec incroyable simons yeah <laughs> deux princes <laughs> simons yeah deux princes